Au papier. Qu'est-ce qu'il fout là? J'ai pris le dernier train. Tu vas où? À Bordeaux. Toi aussi? Ah, bien sûr, il n'y a pas le choix, hein. C'est là-bas que ça se passe. Oh, vous n'êtes pas bien là, vous allez attraper du mal. Ça va, je suis très bien, merci. Dans l'autre wagon, j'ai vu, il n'y a que des bonnes sœurs. Je vais leur demander une place. Je leur dirai que vous êtes malade. Arrêtez, c'est stupide! Il est toujours comme ça, votre ami, parce que là, franchement. Bah oui, c'est dans sa nature. Professeur! Professeur! Ah, Camille. Attendez! On pensait que vous n'arriveriez jamais. Merci, enfin. On se reverra, hein. T'as pas ou quoi? Non, mais t'as vu ça? Où tu vas? C'est pas par là! Arrêtez-moi, stop! Quoi qu'y a-t-il? Il faut que j'achète quelque chose. Non, s'il vous plaît, Viviane! On t'a libéré. Je me suis évadé. Oh, non! Il y a vraiment des jours, on se demande si vous vous rendez compte. Mais dis donc, c'est pas... Viviane Danvers. Tu la connais? Oui. J'ai menti, oui, je sais, je te raconte n'importe quoi. Nous sommes complets! Archi complets! Il me harcelait. Qui? Rappelle? Il voulait écrire au journaux, dire tout ce qu'il savait sur moi. Oui, bon, c'est très touchant, mais on va pas pleurer. Faut dire que les vedettes, c'est spécial, c'est délicat. Pourquoi tu fermes ta gueule? Viens! Y'a pas de risque? Quel risque? Que ça explose. Oui, eh bien, occupez-vous plutôt d'accélérer les choses, ça sera plus utile. Vous êtes en de graves ennuis, Viviane, je le sais. Vous n'avez rien contre le turbo? Ce garçon, par exemple, s'il parle, vous êtes perdu. Turbo pour tout le monde. Voulez-vous que je m'occupe de lui? Turbo, c'est pour vous? Vous êtes plus en prison, monsieur Auger? Aidez-moi, monsieur, c'est un criminel! Non, bravo! Le monde entier a les yeux fixés sur nous et je me retrouve mêlé à un crime! Justement, je pensais. Oui, quoi? Me faire arrêter. Quel prétexte? C'est une obsédie sexuelle. Non, divaguer! Vous allez être ministre de l'Intérieur. Mais je vais commencer par un délit de justice, hein, ça, mais vous savez plus ce que vous dites! La voiture est en bas, monsieur. Quel bon! Mademoiselle Camille! Top, arrête! Qu'est-ce que tu fais? Raoul! Écoutez, mademoiselle, ça suffit! Mais il faut pas 3 heures pour rédiger un ordre de mission. Vous voulez que je vous fasse un brouillon? Taisez-vous! Professeur Kopolski, vous l'emmenez où? Commissariat central. Vous avez un ordre écrit? Eh oui, c'est comme ça, nous sommes dehors la loi, mademoiselle Camille. Et vous aussi maintenant. La police.